Oui, Oui, il y a un passage par là-bas. Ah bon? Bah, oui, au sud. Otana. Et à droite de la ferme de Martin. Ah, j'ai cliqué trop vite encore. Le monde dans cette maison, tout le monde dans un petit lit, une persienne. On coupe tout ce qui est pourri. Oh mon dieu, c'est tout rouge. Oh non, toutes mes fleurs. J'ai envie de taper ce jeu. Le pavot est parti. Oui. On en avait besoin. On l'a déjà mis. Il y en a encore besoin d'un. C'est pour ça que je voulais le récupérer depuis je sais pas combien de jours et tu me disais non, il y en avait encore besoin d'un. Y'a du bois, Nino! Regarde! Du bois, du bois, du bois! Bois, bois, bois! Je sais pas comment il est arrivé là, mais. Et le bois, moi j'aimerais bien qu'il y ait un érable qui vive en fait! Oh! C'est où le bois? Bois c'est, un érable. C'est quel coffre le bois? Oh, y'a un truc là! Quoi? Sirop d'érable! C'est vrai? C'est une blague! Ouais, je viens d'avoir un sirop d'érable. Mais comment? Bah, sur un truc que t'es posé sur un arbre. Mais du coup, c'est peut-être à l'automne. Mais il n'y a pas écrit qu'il faut que ça soit l'automne. Je sais pas. Bah écoute, sur un sirop d'érable. Mais non, bon, c'est toute l'année le sirop d'érable. Hein, mais oui, c'est ça que je comprends pas. Bon, c'est pas grave. C'est fait, tant mieux. Hein, on va pas... La fougère, tu l'as bien mis. Hein. Oui, j'ai mis la fougère. Okay. Alors, tant mieux, tant petit mieux, tour du papier. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Bah, c'est mon tableau avec les poissons. Tu l'as imprimé et tout? Oui, bien sûr. Oh, il y a une citrouille. Des achiga. Ah, citrouille, on en a besoin. On a besoin de, je sais, beaucoup. Sur un comptoir. Ouais, on a besoin de citrouille. De... Il faut que je regarde. Alors, les de... Ça, c'est cool. Lac de montagne, il y a deux poissons d'automne. Anchois, l'anguille à l'automne en temps pluvieux. Qu'est-ce qu'il faut? Attends, j'ai récupéré quoi? Des prunes automne, sauvages et des mûres. Automne. Ça, c'est quoi ça? Ça, on s'en fiche. Bon, la mine, on s'en fout, c'est toutes les saisons. Aloz, automne. La truite tigrée, ça, l'automne. À la rivière, ok. Automne, rivière. Oh putain, la truite tigrée, c'est en version dure. Oh, il y a des petits oiseaux. Des petits cavés, là. Bah, j'ai pas pu les tuer, c'est terrible. Salut, Nugget. Bois, bois, bois. Faut l'arroser, tout ça, ou pas? Ah oui, faut arroser tout ça, en fait. Oui, mais je vais acheter d'autres graines, en fait. J'en bois, ai pas assez. Bois, bois, il faut du bois. Et oui. Moi je veux du sirop d'érable. Mais je ne peux pas parce que tout le bois est décédé. Bah. Maintenant ça s'écoute en streaming. Ça va Yaki? J'ai dit que j'achetais les graines de la saison. Bonjour Yaki. Bonjour. Tu crois qu'ils vendent des graines pour des arbres? Des graines pour des arbres? Ouais. Non. Et ils vendent des cerisiers, des abricotiers, tout ça? C'est pas la meuf des amènes avant? Engrais de croissance rapide. Alors attends, qu'est-ce qui permet de faire pousser les arbres? Bah, de l'engrais, tu l'avais dit. Attendez, j'ai une question intelligente. Ah. C'est vrai que d'habitude, tu poses des questions très cons, donc. Hein. Bah oui. Quand on coupe l'arbre, on est d'accord qu'il reste la souche verticale. Si on ne la coupe pas, est-ce que l'arbre repousse? Non. Non, il faut que tu coupes la souche justement pour que ça repousse. Mm-hmm. Je voudrais essayer de garder l'arbre de la pêche, j'ai envie, je paierai 150 PO à tout pêcheur qui attrape deux saumons. Des saumons? Non, c'est pas l'heure. J'arrive jamais à cliquer. 150 pour deux saumons. Mais. Ah voilà. C'est Willy, il veut deux saumons, c'est ça. Et le saumon, c'est. Mon préféré. Par exemple, de graines. Pardon.
Saumon, normalement c'est rivière ça. Saumon, c'est au printemps. Ah ouais? Attends, je regarde s'il y en a ailleurs. Pas la saison, je sais pas. C'est bizarre. Saumon, à l'océan, un petit peu à l'automne. Saumon à l'automne. Bon, en vrai, je vais descendre, je vais essayer de pêcher un peu. Hein. Il me manque des graines, hein. Je vais en chercher. Tu sais que t'as le sirop d'érable aussi. Tu veux que je te mette dans un coffre? Ah bah, c'est à côté de moi, si tu peux me le donner même. Je sais pas comment on fait donc. C'est offrir, c'est ça? Pour donner un truc à quelqu'un ou pas? Tu le mets sur toi, tu le sélectionnes quand tu le portes sur la tête et c'est un clic droit en forme de cadeau sur la personne. Ok, c'est bon, merci. Enfin crafter ça quoi. Moi j'ai la pêche dans l'océan du coup. Pêche de l'océan. L'algue verte, incroyable. GG. Il nous faut des graines de raisin. Oh, kikillage. Oh, y'a plein de kikillage. Les coquillages, ils rapportent beaucoup de sous. Des coquillages en mode escargot. C'est palourde et coque. Le coquillage en forme d'escargot, on en a besoin d'un pour le centre Komumu. Non, on l'a pas celui-là. Pourquoi j'ai zéro énergie quasiment là, j'ai que 3 poissons. Mais si t'as fait toute la culture et tout, ça va vite. Hein. J'ai arrosé. Ouais, mais va te reposer, ça remonte assez vite honnêtement. Repose-toi juste une heure et... Que là je suis en train d'essayer de faire le maximum pour... Oui, c'est 2 saumons qu'il lui fallait à lui, ça. 3 saumons, oh là. Mon champ ressemble à rien, mais au moins on peut l'arroser. Du coup, du saumon, on récupère des algues. J'ai la recette des arrosants automatiques. Oh, ça sera tellement pratique. Oh, en choix. Trop bien. J'aime pas. Sardine, allez donc. Grosse pêche aujourd'hui. Hein. Parfaitement parfait. La contifure. Il est 18h30. Concentre sur le poisson, ça nique les yeux, je trouve. Hein. Ça abîme les yeux. C'est mieux respectueux. Vers les yeux. Française.
Un cufre. Let's go. Ah, pas de poisson, hein. De saumon. Oh, une étoile de mer séchée. Un artefact. Ouais. C'est Gunter qui va être content au moins. À quel prix? Oh, on peut se faire des sous avec ça. Oh, lui il est. Oh, lui c'est Speedy Gonzales ce poisson. Oh non, de Zeus. Ça veut dire que c'est des rares. Oh, reviens! Trois fois, c'est terrible. Ça, je fais pas la pêche. C'est moi ou il va faire tout noir? Albacore. Oh, c'est un thon alors! J'ai dit que... Trop bien. Lui, je pense qu'il rapporte des sous. Il fait tout noir. Il va faire tout noir. Je le dirai pas. Il va faire tout noir. Veuillez avoir l'obligence de bien vouloir vous taire. Restez poli. Comme ça, on ne dit pas le mot. Lequel mot? Après, est-ce que c'est injurieux si on dit juste les initiales? Bah... Oui, parce que tout le monde les connaît. Ça peut être Tite Gourgandine, quoi. Tricycle Gredin. Non, ça n'a aucun sens. C'est normal que plus ça va et moins on y voit dans ce jeu. Ah bah la nuit arrive hein. Ouais, il est 22h30, tu vois plus rien. Et ouais. C'est plus l'été hein, on est en automne. Je suis étonné Nino que tu aies... Tu vois il y a plein de torches au hasard là, je pensais que tu allais les mettre mieux. Et en fait non, tu les laisses comme ça. Non, j'ai commencé à aménager mon petite construction là en haut. Il y a quoi? Pour ça va être diminution du salaire hein. Voilà. Hein ouais, alors... Tu veux pas laisser un petit passage ici là? Je vais voir. Je sais pas encore ce que je veux faire en dessous. Le champ. C'est ça. Tu veux des torches? Tu vas voir, je te les mets tes torches. On va aller au dodo. Ouais. Il est l'heure d'aller se coucher. Aïe. Ceci est une théière. Ah, la tienne est tienne. Non, c'est du thé. C'est mais la matinale est tienne. Référence Samuel Etienne. Évidemment. Il est temps d'aller se coucher. Étoile des neiges. À l'heure, matériel de pêche. Ça m'intéresse pas. Ouais, mais le truc à poisson, mais il est plein en fait. Qui c'est qui est Paoli? Les poissons, les. Oh, c'est moi. C'est Imra ça. Non mais j'étais dans les coffres mais j'arrive pas à mettre le poisson, il va falloir que je mette dans un autre coffre. Mais tu t'en fous, Baoli. Tu feras ça demain. Ok, tout est plein. Bon au pire je meurs. Hein. On n'est plus à une mort près quoi. Bah non. C'est ce que je me dis. Ah par contre c'est une journée qui a coûté cher celle-là. Par rapport aux 7.